Number 20. Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Tshisekedi. Un homme discret, un homme efficace, adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tous vos tourments et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée, merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Chers compatriotes, bonjour ou bonsoir. Selon la zone géographique du globe terrestre où vous habitez. Voilà, chers compatriotes, c'est la fin de la campagne électorale ce lundi 18 décembre à minuit. Alors, ce 19 décembre, le Conseil national supérieur de l'audiovisuel interdit toute forme de campagne électorale, que ce soit par diffusion sur les télévisions du pays ou toute autre forme, et enlever les panneaux publicitaires, les effigies et consorts loin des centres de vote. Voilà, le président de la République a fini sa campagne électorale à la place Sainte-Thérèse d'un Djili. Il y a eu une foule immense, une foule venue des quatre coins de la capitale. Il y en a qui évaluent cette foule à 3 millions de personnes environ. Je ne sais pas comment ils ont calculé, mais quand vous regardez, ça peut être même plus. Y en a qui disent que certains ne sont même pas parvenus à arriver à temps au lieu. Voilà, ce qui nous retient beaucoup l'attention, c'est que à partir de la place Sainte-Thérèse, le président de la République a demandé au peuple de renouveler son mandat de façon que, à la prochaine législation, il réunisse les deux chambres du Parlement, c'est-à-dire le Sénat et la Chambre basse, pour obtenir le quitus lui permettant de déclarer la guerre au Rwanda. Il dit qu'à partir de Goma, on peut atteindre Kigali. Il dit que nos forces armées ont tout ce qu'il faut maintenant. Donc Kigali peut être atteint à partir de Goma et Paul Kagame ne dormira plus dans sa résidence. Akola la Nazamba. Ça veut dire qu'il dormira dans la forêt ou dans la savane. Ouais, dans la forêt. Voilà. Chers compatriotes, je vais vous en montrer un extrait. L'extrait est en Lingala. Mais j'ai déjà dit à peu près tout ce qu'il faut dire pour ceux qui ne comprennent pas le Lingala. On peut aussi comprendre par le langage gestuel, par des mots-clés comme Paul Kagame, Goma. Voilà, chers compatriotes. Je vous prie maintenant de regarder l'extrait. Vous serez étonnés de la force
avec laquelle il parle, de la rage avec laquelle il parle, de la colère avec laquelle il parle. Il dit que, après les élections, quand il sera déclaré la guerre après l'accord des deux chambres réunies en congrès, s'il y a ne fût-ce qu'une seule balle qui va tomber sur le territoire congolais, même si nous apprenons qu'ils ont récupéré un territoire, il déclare la guerre à Kigali. Et sachez-le bien, avec cette colère, Kigali sera pulvérisée. Nous avons des drones qui peuvent bombarder partout maintenant. Et si nous arrivons à Kigali, il n'y aura plus de Paul Kagame. Et c'est ça le souhait du peuple congolais. C'est tout ce que le peuple congolais attend. Que Paul Kagame soit mis hors d'état de nuire. Ça ne sert à rien de vaincre sur notre territoire alors que l'autre a des velléités d'attaquer notre pays. Vous avez appris que une nouvelle rébellion s'est créée à Nairobi. C'est toujours Paul Kagame, hein, avec ses mentors comme William Ruto, un traître. Voilà, chers compatriotes, regardez. Enfant de Kin, bonjour. Bonjour à vous tous les Kinois. Ah, en tout cas, Lélo, t'as corrigé Sainte-Thérèse. Tous les voyous qui sont venus avant ont vu comment on les a corrigés. Nous les avons corrigés. Ils ont vu que c'est nous les propriétaires du terrain. Nous leur montrerons le 20 décembre que nous sommes les propriétaires du terrain. Surtout Bino Banachangu, Ndenge, na 1998, à propos de notre pays, vous vous souvenez surtout, vous du district de Tchangu, en 1998, comment vous avez attrapé les rebelles avec les mains. Aujourd'hui, ils veulent encore nous attaquer. Ils ont recruté des petits-enfants congolais. Ils les ont trompés pour qu'ils rejoignent le M23, l'ennemi que Paul Kagame a fait entrer au Congo. Ils leur ont dit, joignez-vous à nous. On fasse la guerre au pays. Est-ce que vous êtes d'accord? Le peuple répond non. Aidez-moi. Le 20 décembre. Donnez-moi de la force. Vous verrez, ces voyous-là fouilleront d'eux-mêmes. Montrons-leur que nous sommes les propriétaires du pays. Ils ont leur candidat. Leur candidat n'auront qu'à venir vous tromper. Nous allons construire ceci pour vous. Nous ferons ceci pour vous. Alors quand ils étaient au pouvoir, ils n'ont rien fait. Nous avons commencé à construire des routes. Si vous me donnez le deuxième mandat, la gratuité arrivera jusqu'au secondaire. Nous avons commencé à construire des universités. Eux, ils étaient là, ils n'ont rien fait. Ils ont construit trop de maisons pour eux, ils ont acheté des stades pour eux. Ils n'ont rien fait pour le pays. C'est nous qui avons commencé à penser au pays.
nous n'avons nulle part où aller en cas de problème de guerre. Eux, ils ont leur pays où ils peuvent aller. Vous êtes la lampe de la République démocratique du Congo. Si Kinshasa se lève, se met debout, c'est tout le Congo qui se met debout. Montrons-leur que c'est nous les propriétés du terrain, c'est nous les chefs, les rois de ce terrain. Ils ont leurs complices. Leurs complices ont des visages différents. Il y en a qui ont même des visages de ceux qui prient. Ils veulent nous séparer. Ils veulent nous balkaniser, nous diviser. Ils veulent donner un petit morceau du Congo au Rwanda. Je vous parle très clairement parce que c'est vous qui avez voulu que je sois ici. C'est vous qui m'avez élu président de ce pays. C'est pourquoi je vous préviens, attention, attention. Mais moi aussi, je ne me fatiguerai pas. Vous me connaissez. Ah, tu mets ton panneau, je mets le mien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de deuil, trop de deuil, tellement qu'ils empêchent aux familles des militaires rwandais morts au Congo de ne pas organiser des deuils. Ils pensaient que le Congo est comme il était avant, à l'époque, quand ils frappent, ils récupèrent Goma. Je vous prends un témoin. Vous, les souverains primaires, et je parle le monde entier m'entend. La première balle qui frappera le Congo à partir de ces rebelles-là, ces voyous-là, je vais réunir le Parlement en congrès qu'il me donne l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Je répète pour celui qui n'a pas entendu. La première balle que ces Nyangalakatala vont tirer, donc ces voyous-là ou ces rebelles-là, je vais réunir le Parlement parce que la Constitution me donne le droit. Je leur demande l'autorisation que je déclare la guerre au Rwanda. Et puis je vous dis, n'ayez peur de rien. Nos militaires aujourd'hui ont tout ce qu'il faut. À partir de Goma, nous pouvons toucher Kigali. Paul Kagame ne dormira plus dans sa maison. Il fuira dans la forêt. Il rigole avec d'autres, mais pas avec Fatih Béton. Chers compatriotes, vous avez entendu vous-même. Donc, juste après les élections, s'il est le vainqueur, il réunira le Parlement en congrès parce que la Constitution l'y autorise. Il aura l'autorisation. Et dès qu'il y a une balle qui crépite venant des rebelles, il déclare la guerre au Rwanda. Et il s'en sera fini du Rwanda. Kigali sera pulvérisé. Il avertit qu'Agamé ne dormira plus dans son palais. Il ira dormir dans la forêt. Et là-dessus, chers compatriotes, nous disons que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et nous clôturons.